Je m'appelle Léa Storten, je suis directrice alimentation pour la ville de Montsartou. Montsartou, c'est une ville de 10 000 habitants qui se situe dans les Alpes-Maritimes entre Cannes et Grasse. Et donc il y a une stratégie alimentaire et une politique assez volontariste depuis plus de 20 ans. La MEAD, c'est un service municipal de la direction alimentation, donc qui veut dire maison d'éducation à l'alimentation durable, et qui travaille sur toutes les actions du projet alimentaire territorial. Et depuis sa création, fin 2016, on a travaillé avec plusieurs acteurs, des enfants, des agriculteurs, des collectivités, du grand public, mais on n'avait jamais travaillé avec la restauration commerciale privée. Ce projet, il vise à soutenir les restaurateurs et tous les commerces de bouche de Montsartou pour aller dans le sens de la transition agroalimentaire du territoire. Cette initiative, en fait, on cherche à ce qu'elle bénéficie bien sûr aux restaurateurs, aux commerces de bouche, mais aussi aux consommateurs et aux producteurs locaux. Et ces actions, elles sont diverses en fonction des attentes des restaurateurs. Donc ça passe par du soutien financier à l'achat de produits bio et régionaux, ça passe par l'accompagnement au calcul de l'empreinte carbone des plats, la mise en place d'utilisation de consignes pour des plats emportés, ça a été mis en place par deux restaurateurs, ou alors même des ateliers cuisine avec un chef pour inciter à la végétalisation des assiettes. Donc aujourd'hui, on a déjà 4 à 6 restaurateurs qui ont bénéficié de l'accompagnement. La difficulté majeure qu'on a à ce jour identifiée en fait, avec ce public-là, c'est qu'ils ont pas, ils ressentent pas avoir la demande des clients. Donc forcément, il est plus difficile pour eux de trouver un intérêt à engager des pratiques différentes. Pour moi, pour associer les acteurs économiques, il faut déjà s'intégrer dans leur univers, c'est-à-dire les comprendre, adapter notre façon de travailler à leurs contraintes et aussi comprendre leur fonctionnement.